Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. L'actualité du jour, c'est Airbus qui reçoit une commande de la compagnie aérienne japonaise ANA Holdings pour 48 nouveaux avions. Les livraisons auront lieu entre les exercices fiscaux 2021 et 2025. Les analystes Trading Central sont haussiers, visent des cibles à 103 euros et 109 euros. On continue toujours dans l'actualité avec Faurecia qui lance demain son offre publique d'achat sur le japonais Clarion, le tout pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Les actionnaires de Clarion pourront apporter leurs actions à l'offre jusqu'au 28 février. Les analystes Trading Central sont haussiers, visent des cibles à 44,90 euros et 47,20 euros. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Renault. Graphiquement, le titre a libéré du potentiel haussier depuis la conjonction de deux facteurs techniques, à savoir le dépassement de la borne haute d'un canal baissier et celui de la moyenne mobile simple à 50 séances. Pour ce qui est des prévisions, on attend alors une poursuite du rebond, avec pour objectif les cibles situées à 63,69 euros et 66,73 euros. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le warrant call 2899T émis par UniCredit, un warrant call de prêt d'exercice à 60 euros et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le DAX 30. Graphiquement, la séance de vendredi dernier a permis de libérer du potentiel haussier sur l'indice allemand. L'indice s'est affranchi de sa moyenne mobile simple à 50 séances qui joue désormais un rôle de support, mais surtout il s'est affranchi de sa zone de résistance pivot située autour des 11 000 points. L'indicateur de vitesse RSI, quant à lui, ne présente aucun signe de tension. Côté prévision, on attend donc une poursuite du rebond vers les 11 340 puis 11 848 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le warrant call I3-75T émis par UniCredit, un warrant call de prix d'exercice à 11 250 points et de maturité au 21 juin 2019. À la Bourse de New York, on est mardi après-midi. C'était Marie-Jean Trigg pour Trading Central. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain.